Inanei kapuana, inanei kapuana, hola, 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 yippee, guana, 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 chu, guana, 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 chu. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour discuter, parler du didgeridoo. Didgeridoo, cet instrument à vent, à embouchure, qui se joue en soufflant dedans et en faisant vibrer les lèvres à l'intérieur. Si je ne fais que souffler, il ne se passe rien. Mais dès que je fais vibrer les lèvres, cela fonctionne. C'est donc un instrument à hanche labiale, laminale ou à embouchure. Cet instrument à vent n'est autre qu'un morceau de bois creux qui nous sert de caisse de résonance. Cet instrument est d'origine aborigène. Il nous vient du cœur de l'Australie. Et il est beaucoup resté par là-bas, même si aujourd'hui on l'entend dans de nombreuses musiques autour du monde. Un soir où il faisait très froid. Un soir où le vent semblait vouloir embêter tous ceux qui se promenaient dans le bush australien. Un soir, Book Bourboon a voulu allumer un feu pour réchauffer sa famille qui avait longtemps marché avec lui à la recherche d'un endroit où passer la nuit. Il a allumé un feu tranquillement, mais pour souffler dessus, et ne pas se brûler, il a cherché un morceau de bois creux. Il a trouvé un long morceau de bois. Mais à l'intérieur, il y avait quelques termites qui vivaient là. Ne voulant pas les brûler, ne voulant pas les déranger, il a levé le morceau de bois et il a soufflé délicatement vers le ciel. Les termites se sont envolées. Elles se sont envolées si haut en dansant qu'elles ont fini par s'accrocher dans le ciel, donnant ainsi naissance aux étoiles qui nous illuminent maintenant toutes les nuits. Et Book Bourboon a repris le morceau de bois pour souffler cette fois-ci vers le feu. Mais ce qu'il n'avait pas vu à l'intérieur de son morceau de bois, c'était l'araignée qui était là. Mère araignée, qui s'est sentie projetée vers les flammes et qui a réussi à éviter de justesse le feu. Lorsqu'elle est arrivée de l'autre côté, elle s'est retournée, a vu Book Bourboon, elle s'est mise en colère. Et une araignée qui se met en colère dans le bush australien ne cesse de grandir. Et cette araignée-là était la mère de toutes les araignées. Elle a grossi jusqu'à devenir énorme, 10 fois plus grosse que Book Bourboon. Book Bourboon, de peur, a pris le morceau de bois, il s'apprêtait à combattre contre elle, mais elle était trop énorme, et puis lui n'aimait pas combattre. Alors il s'est approché doucement d'elle, et de nouveau, il a soufflé. Et dès qu'il a porté ses lèvres au morceau de bois, dès qu'il a fait vibrer ses lèvres à l'intérieur, le son est apparu. Un son calme et envoûtant qui a tout de suite apaisé l'araignée, qui est redevenue toute petite jusqu'à se faufiler entre les rochers. Voilà comment, grâce à la musique du didgeridoo, pour la première fois, les animaux ont été apaisés sur le désert d'Australie. Thank you.
Capuana. Guana 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 guana.